Bienvenue dans Bulle d'Art. Nous voici au MAC, le musée d'art contemporain de Marseille. Sa collection est composée de plus de 160 œuvres d'art, dont celle-ci. Mais qu'est-ce que c'est ? À première vue, il s'agit d'une maquette. Un chemin de fer, des wagons, un atelier, un terril et même un réservoir d'eau. Un paysage qui évoque une intense exploitation minière. La maquette n'est pas animée. Tout semble figé. Seule une dynamique est produite par mon corps puisque l'œuvre me force à tourner autour d'elle. Mais quel est le message de cette sculpture ? Que souhaite nous dire l'artiste ? D'abord son nom, Mounette numéro 5. C'est certainement du franglais que nous pourrions traduire par « petite lune ». Nous serions donc dans l'espace, en présence d'un astéroïde minier ? De mon point de vue de terrienne humanoïde, je ne connais qu'un astre habité, la Terre. Serait-ce un futur imaginaire ? Un bout de notre Terre victime d'une catastrophe, soit naturelle, soit provoquée par ses habitants ? Si c'est notre avenir, il est pessimiste. Et si c'est une métaphore de notre société, nous serions les artisans de notre propre déclin. Mais qui est cet artiste qui se permet de nous faire la morale ? Il s'agit de Chris Burden, artiste californien de 54 ans, qui se fait connaître dans les années 70 pour ses performances mutilantes et autodestructrices. Se faire tirer dessus, se vautrer dans des tessons de verre, et même pire, tirer sur un avion de ligne. Un véritable jacasse visionnaire. Et après ça, il se permet de nous faire la morale. Toutefois, Chris Burden reste toujours fidèle à ce rôle qu'il s'est donné de critiquer, en payant même de sa personne, le fonctionnement d'une société où tout le monde est responsable et personne n'est coupable. Personne n'est coupable. Personne n'est coupable. Mounette, malgré son allure inquiétante, réserve une part de mystère qui ne manquera pas de vous interpeller. I like you.